Écoutez, frères et sœurs, la lecture de la Bible. Le texte que j'ai choisi de vous lire se trouve dans l'Épître aux Romains, qui a joué, on le sait, un si grand rôle dans l'histoire et les origines du protestantisme. Ces quelques versets écrits par l'apôtre Paul sont extraits des chapitres 12 et 13. Il nous invite à la fraternité, cette fraternité vers laquelle sera orientée la prédication de ce matin. L'amour ne joue pas la comédie. Détestez le mal, attachez-vous au bien, que l'amour fraternel vous lie les uns aux autres tendrement. Rivalisez d'estime les uns pour les autres, d'un zèle sans nonchalance, d'un souffle ardent, soyez vigilants. Soyez joyeux dans l'espérance, endurant dans la détresse, tenace dans la prière. Pourvoyez pour votre part aux besoins des frères. Allez au-devant de l'étranger par l'hospitalité. Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en bon accord les uns avec les autres. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez des tâches modeste. Ne vous prenez pas vous-même pour de grands sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ayez comme projet le bien face à tous. Si possible et pour votre part, vivez en paix avec tous. Ne devez rien à personne sinon l'amour, celui des uns pour les autres. Car celui qui aime l'autre a rempli toutes les exigences de la loi. Aussi, les commandements se résument à cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne blesse en rien le prochain. La plénitude de la loi, c'est l'amour. Romains 12, 9 à 18 et 13, 8 à 10. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Nous chanterons maintenant le cantique 222, la première, la deuxième et la troisième strophe de ce cantique 222 dans le louange et prière. Thank you.
Éternel, depuis que tu nous cherches, tu viens à nous. Tu viens vers nous par les créations matérielles, les splendeurs, la magnificence des cieux. Tu es venu à nous dans les aubes où les âmes se dégagent des ombres, dans la joie et dans la peine, dans les liens de la famille, dans la personne des justes qui sont nos guides et nos frères. Tu as marché, lutté, souffert et chanté parmi nous. À travers nos jours éphémères, a transparu ton sourire qui demeure. Et tu nous as fait boire aux coupes d'ici-bas, qu'elles soient douces ou amères, un breuvage ou fermente un espoir éternel. Tout être qui se donne fait un geste divin. À travers la poussière des héros et des martyrs, tombés pour les causes justes, brillent des rayons d'or. Dans chaque regard, tu as mis ta promesse et les vaincus du droit t'attendent dans leur tombeau. Sois béni, Éternel, qui te fait homme avec nous, pour être plus près de nous, comme dans les épis mûris, sous ses caresses, ton soleil se fait pain afin de nous nourrir. Chers frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui dans la joie, le culte, le dimanche, la fête de la Réformation, qui est, année après année, l'occasion de redire ou de retrouver même notre identité protestante. Pour ce faire, j'ai interrogé trois personnes extérieures au protestantisme pour qu'elles me disent ce que représentait pour elles un aspect fondamental de notre protestantisme. Ces trois témoins sont un catholique, un agnostique et un musulman. Plutôt que de placer l'ensemble de cette prédication sous l'égide d'un texte biblique qui serait un peu un texte prétexte, j'ai préféré que chacune des trois étapes nous conduise à une affirmation scripturaire. Un catholique, il s'agit d'un catéchumène, d'un jeune, il est enfant de cœur, comme on disait autrefois, servant de messe, comme on dit aujourd'hui, il est inscrit dans une école catholique. Je l'ai interrogé, lui, plutôt que ses parents, parce que j'avais peur que ces derniers aient déjà une opinion toute faite et un peu trop formatée sur le protestantisme. Il me semblait qu'ils pouvaient avoir une approche plus personnelle et plus spontanée.
Il a commencé par me dire, ce qui est déjà pas si mal dans la bouche d'un catholique, que le protestantisme est une des branches du christianisme. Je lui ai fait remarquer qu'on pouvait en dire autant de toutes les confessions chrétiennes, et je lui ai dit, donne-moi quelque chose qui pour toi est vraiment typique du protestantisme. Il y a eu un silence, et il m'a dit, les pasteurs peuvent se marier. Alors, c'est naturel dans la bouche d'un jeune, je crois. D'aucuns diront que c'est un peu un détail, quelque chose de superficiel, qui ne touche pas à une réalité fondamentale du protestantisme. Or, je crois au contraire qu'il y a là quelque chose qui s'attache très profondément à notre identité protestante. Luther sort du couvent, il affiche, vous le savez, ses fameuses thèses sur et contre les indulgences en 1517, et 8 ans plus tard, en 1525, il se marie, mais a lutté sans cesse pour le mariage des prêtres. Son traité, intitulé « De la vie conjugale », a connu d'emblée un succès foudroyant. Comme l'écrit Marianne Carbonnier-Burkhard, autrefois professeur d'histoire moderne et du protestantisme à la faculté de théologie protestante de Paris. Et de ce mariage des prêtres, Marianne Carbonnier-Burkhard écrit encore ces mots fondamentaux, que ce mariage des prêtres fut le signal concret d'un nouvel ordre du monde chrétien, visible de tous, même des non-lettrés. Il y a, avec Luther et dans le protestantisme en général, une réhabilitation du mariage. Je n'entends pas par là de la cérémonie religieuse de mariage, mais de la conjugalité. Parce que le célibat n'est plus vu comme une vie supérieure possible, mais non pas supérieure, et qui permettrait d'aboutir et de s'élever à la perfection chrétienne, ce qui serait, entre autres, réservé aux prêtres. Et dans cette conception nouvelle du mariage, il y a 2 réalités apparemment contraire, mais qui sont les 2 faces d'une seule et même médaille. D'abord, une promotion, une revalorisation de ce mariage. Même les prêtres peuvent se marier. Ensuite, s'il y a cette revalorisation, il y a en même temps une désacralisation. Le mariage n'est plus un sacrement. Parce que le mariage est une réalité profondément humaine et universelle qui n'a rien de spécifiquement chrétien. Ainsi, par cette conception du mariage, on redonne une noblesse, une dignité au monde profane et quotidien. Je pense ici au titre du livre de Raphaël Picon, c'est un sous-titre donné à cet ouvrage qu'il a consacré à Emerson, « Le sublime ordinaire ». Le mariage n'est plus laissé au seul laïc comme une œuvre inférieure, entre autres parce que relevant de réalités corporelles, physiques et sexuelles. Il y a chez Luther une dédiabolisation de la sexualité. Et ce mariage pour tous, comme l'appelle avec humour Marianne Carbonnier-Burkhard, s'inscrit bien sûr dans la perspective d'un sacerdoce universel. Au XVIe siècle, on disait « nous sommes tous prêtres »,
Mais peut-être que dans une société sécularisée, laïcisée, il serait plus compréhensible de dire « nous sommes tous laïcs ». Ce faisant, Luther ne procède pas seulement à un bouleversement religieux, mais social. Il n'a pas seulement construit une nouvelle compréhension de la spiritualité, de la théologie chrétienne, avec la fameuse affirmation selon laquelle nous sommes sauvés par la seule grâce de Dieu, mais il a apporté une nouvelle compréhension de la personne humaine et du croyant et du chrétien dans le monde, une nouvelle manière d'être au monde. Le mariage des prêtres, des pasteurs, comme le dit ce jeune catholique, correspond à cet ébranlement considérable dans la société du XVIe siècle, à cette révolution. Et les siècles ont passé, si bien que l'on ne se rend plus toujours compte de cette novation décisive. Marianne Carbonnier écrivait: le mariage des prêtres est le signal concret d'un nouvel ordre du monde chrétien, visible de tous, même des non-lettrés. Le clergé, dorénavant, intègre la société commune telle qu'elle est pour tous. Alors j'aimerais conclure cette première étape par une affirmation que les réformateurs ont sans cesse reprise dans leurs écrits sur ce sujet, qui se trouve dans les fameux chapitres mythologiques au début de la Genèse, les chapitres 1 et 2. Il s'agit du verset 18 de ce chapitre 2. Mais j'aimerais l'entendre pas seulement dans son sens concernant la conjugalité, mais aussi dans un sens universel et symbolique. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et puis, un témoin agnostique, je ne dis pas véritablement athée, parce qu'il ne prétend pas avoir raison contre les croyants, mais il dit: pour ma part, je ne crois pas. C'est un adulte qui a eu, comme tant d'autres, une enfance catholique, une jeunesse catholique, et qui s'est peu à peu éloigné du christianisme, mais en restant intéressé par les questions religieuses. Quelle a été sa réponse? Il m'a dit: d'abord, il y a une rectitude protestante. Et immédiatement après, il m'a dit: les protestants réfléchissent, se posent des questions et doutent. Il a donc pointé là une double rectitude, une honnêteté morale et une honnêteté intellectuelle, parce que nous nous posons des questions. Il ajoute: il doute, ce qui est une affirmation assez sympathique dans sa bouche d'agnostique, puisqu'il veut montrer qu'il y a pour lui un terrain commun, une espèce de proximité possible de son agnosticisme avec le protestantisme. Les protestants réfléchissent et se posent des questions. Cela me conduit à cette affirmation décisive, très belle, d'Alexandre Vinet. Alexandre Vinet, c'est donc un théologien, critique littéraire, protestant, vaudois, du XIXe siècle. Et Vinet écrit ceci: « La vérité, sans la recherche de la vérité, n'est que la moitié de la vérité. » Les protestants se posent des questions. Pour Luther, la foi est une démarche personnelle et libre, et on sait le rôle novateur, me semble-t-il, que joue la conscience dans sa pensée. Et Luther estime qu'adhérer au christianisme et même à des vérités bibliques, ce n'est pas souscrire à ce que les papes, à ce que les conciles, à ce que d'autres, il précise même à ce que les anges ont dit.
C'est une décision personnelle, c'est une action de notre propre chef, et il écrit ceci: si tu ne peux pas décider par toi-même et juger par toi-même, tu es perdu. La foi, par conséquent, des protestants ne s'inscrit pas dans un système dogmatique ou une institution d'autorité, surtout pas d'autorité infaillible. Car l'infaillibilité, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, ne pose pas qu'une question d'autorité, mais pose aussi une question qui est la possibilité même de la foi. Si les vérités doctrinales et dogmatiques sont infaillibles, alors c'est à prendre ou à laisser. Il n'y a pas à faire vis-à-vis de cela un acte de foi qui peut comporter un acte de doute. Et Alexandre Vinet, encore lui, disait: là où l'incrédulité, là où le doute est impossible, la foi est impossible aussi. Oui, le protestant réfléchit, se pose des questions, doute, met en doute. Et voyez-vous, le jeune catholique que je citais dans ma première étape m'a dit qu'il trouvait qu'il y avait plus de liberté dans notre protestantisme que dans le catholicisme. J'ai été complètement ébahi par cette parole dans la bouche d'un enfant de cœur inscrit dans une école catholique. J'ai pensé que j'avais peut-être mal compris. Alors, plusieurs jours après, quand j'ai eu l'occasion de le revoir, sa famille fait partie de mon quartier, je lui ai reposé la question. Il m'a dit: oui, je pense qu'il y a plus de liberté chez les protestants que chez les catholiques. Et il m'a dit ça à l'heure où il se rendait à la messe. Alors j'aimerais conclure cette deuxième étape par cette affirmation de Paul dans le chapitre 3 de sa deuxième épître aux Corinthiens, au verset 17: là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Enfin, un témoin musulman. Il s'agit d'un étudiant, d'un migrant menacé de mort dans son pays et qui a rencontré depuis quelques années le protestantisme. Il est resté musulman, mais il m'a dit tout de suite qu'il ne pouvait pas se prononcer sur la pensée en tant que telle du protestantisme par rapport au catholicisme, aux orthodoxes, aux anglicans, aux coptes, aux évangéliques, que sais-je. Cela dit, il m'a affirmé que le protestantisme avait eu sur lui une marque très forte et qu'il ne s'était pas heurté là, comme dans la pensée musulmane, à une pensée carrée et à un cadre fermé. On retrouve là d'ailleurs une des affirmations de l'agnostique. La rencontre du protestantisme, pour lui, c'est le mot qu'il utilise, a été bouleversante. Il l'a faite via la clairière, d'abord, ce centre social fondé en 1911 et qui existe toujours en plein quartier des Halles, fondé par le pasteur Wilfred Monod, pasteur de l'oratoire. Et le quartier des Halles était alors extrêmement déshérité, ce qui n'est plus nécessairement le cas aujourd'hui. Et puis il a rencontré aussi le protestantisme via le conseil de l'entraide de l'oratoire. Il a été très surpris qu'on ne lui ait posé aucune question doctrinale, qu'on ait mis à sa présence aucune condition, qu'il n'ait été l'objet d'aucun prosélytisme. Il a rencontré la clairière parce que c'est un centre qui offre, par exemple, parmi beaucoup d'autres activités, des cours d'alphabétisation et pour lui, des cours de français. Accueil généreux,
Et le mot qui revient sans cesse dans sa bouche quand il parle du protestantisme, c'est le mot de fraternité. On trouvera dans le prochain numéro d'Évangile et Liberté, le numéro de novembre, une interview de cet étudiant musulman. Or, il dit n'avoir jamais vécu cette fraternité ainsi dans son pays d'origine, encore moins dans sa famille, pas du tout à la mosquée, où il n'entendait dire des chrétiens que du mal. Il était très surpris, en rencontrant des chrétiens via la clairière, de voir que ce qu'on lui avait dit ne correspondait pas du tout à l'image qu'il s'en faisait. Il a été heureux de participer à des cultes, de vivre des cultes, et très surpris par la place que le mot « amour », l'amour du prochain, l'amour de Dieu, occupe dans nos cultes et dans nos prédications. Donc sa découverte du protestantisme est celle d'un christianisme pratique, d'un christianisme social, matériel, et devant cette table de communion, nous voulons rappeler que nous célébrons une table ouverte et que nous invitons à ce repas symbolique quiconque veut y participer, quelle que soit son appartenance ou sa non-appartenance. La scène exprime une fraternité, un partage spirituel et matériel, comme l'exprime ce repas. Et cet étudiant m'a dit qu'il avait été bouleversé aux larmes en découvrant, par une photo devant le temple de Maglone à Montpellier, un immense placard sur lequel étaient écrits ces mots « Liberté, égalité, fraternité, exilé, l'accueil d'abord ». Et il s'agit là d'une campagne initiée par l'Église protestante unie de France, à laquelle se sont ralliés beaucoup, environ 200 paroisses et associations. Il y a par exemple aujourd'hui une bannière immense sur la façade du temple des Batignolles, dont le pasteur est Jean-Marie de Bourquenay, le rédacteur en chef d'Évangile et Liberté, une bannière immense sur laquelle se trouvent ces mots « liberté, égalité, fraternité, exilé, l'accueil d'abord ». Alors, pour ce musulman, sa rencontre du protestantisme, de notre protestantisme, correspond donc à la fraternité. Une enquête récente, menée aux États-Unis, fait apparaître que les protestants viennent très majoritairement au culte pour la prédication. Mais je sais que cette prédication n'est pas comme un avion qui aurait perdu son train d'atterrissage. Non, nous venons au culte parce que cette prédication s'inscrit dans un cadre, dans un climat qui est celui de la fraternité. Nous venons rencontrer ici des frères et des sœurs. Nous avons besoin de chaleur humaine. Nous venons ici avec nos soucis, nos préoccupations d'ordre familial, professionnel, ou concernant notre santé ou celle de nos proches. Nous venons habiter par des angoisses, des inquiétudes. Nous venons habiter par le visage ensanglanté de l'histoire. Nous venons avec nos deuils, avec ces morts cruelles et injustes. Et nous avons besoin de fraternité, parce que nous avons besoin de sortir du culte, de sortir du temple, en ayant un nouvel enthousiasme, un nouvel élan qui nous aide, de semaine en semaine, à vivre nos jours quotidiens. Alors je conclus cette troisième étape par ces mots de la première épître de Jean, chapitre 4, verset 19. « Quant à nous, nous aimons, parce que Dieu nous a aimés le premier. » C'est là l'affirmation de la grâce première de Dieu. Et j'aimerais vous apporter maintenant trois conclusions à cette prédication.
La première, vous aurez remarqué que ces trois témoignages ont davantage parlé des protestants que du protestantisme en tant que tel. Aucun d'eux n'a mentionné nos grands principes, le sola gratia, sola fide, sola scriptura, soli deo gloria. Aucun. Ces principes, en effet, correspondent à une spiritualité intérieure qui n'a pas nécessairement cette visibilité toute extérieure du catholicisme avec le pape, Saint-Pierre de Rome et les évêques. Deuxième conclusion, la vision apportée par ces trois témoins du protestantisme, et ils étaient vraiment très libres avec moi, on se dit « tu » entre nous, n'a jamais eu la moindre critique négative ou des réserves vis-à-vis de notre protestantisme. Et cela me semble très important, une vision positive, alors que nos églises chrétiennes, le plus souvent dans la société d'aujourd'hui, sont vues comme celles qui disent non et non et non et toujours non, avec des interdictions, avec des jugements et avec des condamnations. Bien sûr, vous me direz que celui qui interrogeait ces trois personnes était un protestant libéral et que je n'ai pas choisi un catholique intégriste de Saint-Nicolas du Chardonnay, que je n'ai pas choisi non plus un athée, un laïcard sectaire, ne voyant dans ce qui est religieux que de la superstition, et que je n'ai pas choisi un musulman fanatique. Et puis, troisième et dernière conclusion, on aura peut-être l'impression que ces trois témoignages ont quelque chose de très parcellaire. Forcément, si je m'étais attaché aujourd'hui à énoncer, développer un des principes du protestantisme, ce serait aussi très parcellaire. Mais peut-être aurons-nous l'impression que ces témoignages sont un peu éclatés ou quelque chose de disparate. Or, je pense que non. Je pense qu'ils ont une profonde unité commune. Ils ont tous explicitement ou implicitement dit que le protestantisme, pour eux, était caractérisé par la réalité de l'ouverture. Mariage des prêtres, mariage des pasteurs, ouverture au monde tel qu'il est, à notre société, et non pas enfermement dans une caste privilégiée de célibataires. Ouverture à ce monde. Et puis, le protestantisme se pose des questions, on l'a bien compris. Il est perçu, ce protestantisme, comme une ouverture, un refus du dogmatisme, la possibilité de théologie et d'approche diverses. Et pour le musulman, ouverture aussi, mais concrète, pratique. Ouverture parce qu'il faut que nos temples aient des fenêtres et des portes ouvertes pour accueillir. Ouverture sur le monde et pour le monde qui ne nous enferme pas dans une bulle qui serait une église non pas sans frontières, mais bien repliée sur elle-même. Amen.